أعزائي التلاميذ، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا في هذا الفيديو الموجه لتلامذة أولى بكالوريا خيار فرنسي، دونك في إطار درس لي سوليسيون إلكتروليتيك، يعني واحد المحاليل مسميهم محاليل إلكتروليتية. دونك بوغ إكزارسيس 1، donc une masse M égale à 17,1 g de sulfate d'aluminium solide est dissoute dans un volume V égale à 250 ml d'eau. Donc il y a une quantité de sulfate d'aluminium, يعني كبريتة الألمنيوم البلورية يعني هي عبارة عن صلب مذاب في 250 ملل من الماء. قال لي كلي لا ماس مولير دي سلفات دالمنيوم، دونك لا ماس مولير، دونك اون فو لا ماس مولير يعني غروند ام، ساشون فوالا لي دوني، نشوفو لي دوني ديال لي دوني بوغ لا ماس مولير اون غرام بار مليليتر، باردون بار مول لي بار مول موانزا. Aluminium égale à 27. Donc la masse molaire de l'aluminium c'est 27. La masse molaire de soufre c'est 32. La masse molaire de eau c'est 16. Donc bien sûr c'est 16 grammes par mol. C'est ça. Donc quelles sont la concentration massique, c'est en titre, et la concentration en solidité apportée du sulfate d'aluminium. Il y a OG de côté 1, donc c'est la concentration de la masse et la concentration en solidité apportée du sulfate d'aluminium. Donc, quelles sont les concentrations effectives des ions? Je voulais dire les concentrations de Al3+ et SO4-, de le sulfate. Ion sulfate, donc c'est un ion ici, ça, le cation. Quatrième exercice, quatrième question, vérifiez que la solution est électriquement neutre. Donc mes chers élèves, faire pause à cette vidéo, donc pour la vidéo de l'idée, on nous obtiendrait en argent, c'est donc la correction. Quelle est la masse molaire du sulfate d'aluminium? Donc le sulfate d'aluminium, donc voilà, donc le sulfate d'aluminium, donc c'est la masse, la grande masse, donc la masse de Al2SO, SO4, 3, donc Al2SO4, 3, donc égale, donc il y a combien d'atomes d'aluminium? Il y a 2, donc c'est la masse, donc 2 fois la masse molaire d'aluminium plus, donc on a combien d'atomes de soufre? Donc il y a 3, donc fois 3 la masse molaire du soufre plus combien d'oxygène? Donc il y a 4 fois 3 qui est égal à 12, donc c'est 12 la masse molaire de l'oxygène. Donc application numérique d'après les données. Donc voilà. Donc AL, la masse molaire de l'aluminium, c'est 27, 32 pour le soufre et 16 pour l'oxygène. Donc 2 fois 27 plus 3 fois 32 pour le soufre plus. Donc plus 12 fois 16 pour l'oxygène. Donc on va trouver que dans la masse molaire de aluminium, donc sulfate d'aluminium, c'est 342 grammes mol moins 1. C'est ça la masse molaire.
La deuxième question, quelles sont la concentration massique et la concentration solitude? Premièrement, la concentration massique du sulfate d'aluminium. Donc la concentration massique, donc on désigne par C indice M. Donc de concentration massique, c'est quoi? Donc si la masse du solide dissous, toujours c'est la masse en grammes sur le volume de la solution. Donc la masse de solide dissous, on a d'après les données, c'est 17,1 grammes. Donc c'est 17,1 grammes sur le volume. Donc le volume de solidité, c'est 250 millilitres. Donc c'est 250 millilitres. Je vais la convertir en litres. Donc c'est 10 à la puissance moins 3 litres. Ça égale. Donc c'est 68,4, on va trouver 68 grammes par litre ou grammes litre moins 1, c'est la même chose. Voilà la concentration massique. Maintenant, on veut la concentration molaire du solité. La concentration molaire. Donc, d'après le cours, que la concentration, donc la concentration. Ça, c'est la concentration molaire égale à la concentration massique sur la masse molaire de solité. Donc, le solité, c'est le sulfate d'aluminium. Dans ce cas, on a déjà calculé. Donc, si CM, on a calculé. Donc, c'est 68,4 grammes par litre moins 1. Sur la masse molaire, donc 342 grammes mol moins 1. Donc, le lit de chauffement est lettre moins 1, mol moins 1, donc un chez gramme mal gramme, donc mol moins 1, c'est la fois tous les liens, mol lettre moins 1. Donc c'est égal, donc on va trouver que la concentration c'est 0,20 mol litre moins 1. Pourquoi? Parce que 1 sur mol moins 1 c'est égal à mol. Donc mol litre moins 1. Troisièmement, quelles sont les concentrations effectives des ions Al3+ et SO4-? SO4-. Donc, les concentrations effectives. Donc j'ai l'équation de la dissolution. Premièrement, c'est Al2SO4-3. Donc, la dissolution dans l'eau donne, donc c'est 2Al3+, donc le lidate, donc c'est 2Al3+, donc à 3, un alpha plus, plus, donc c'est 3, ce 3SO4, add 2, donc c'est 2-. Ici. Pourquoi? Donc toujours, si tu as X, XM, YN, donc après la dissolution dans l'eau, il devient, donc si toujours, donc tu commences par ce M, X, M, X, yani le nombre
Donc, le nombre d'atomes, le nombre des ions dans ce cas. Donc, c'est x, on a x, par exemple, c'est voilà, le nombre d'atomes de ces x, mais la charge de n, donc c'est n plus. Ça, c'est un cation. Plus, tu as y, on a y, donc voilà y. Mais combien de y? C'est ny, voilà ny, mais la charge, c'est m moins. Voilà la dissolution. C'est comme ça. Donc regardez ici. Donc, combien d'atomes? Donc, on a un mol, donc, pardon, une mol de Al2SO4. Après dissolution donne 2 moles d'aluminium, donc ion aluminium, et 3 ions de sulfate. Donc dans ce cas, donc c'est n, c'est, on a donc on a n donc n le nombre de moles de Al2 SO4 3 égale donc ça égale donc combien de moles ici donc c'est 2 donc égale à 2 donc égale à le nombre de moles de Al Al3 plus sur 2 égale le nombre de moles de l'olidète qui est le nombre de moles de SO4 de moins sur 3. Ok? Pourquoi? Parce que 1 correspond à 2. Donc, un nombre n et correspond. Donc, n égale si n, le nombre de moles d'aluminium sur 2 et le nombre qui est égal à le nombre de moles de sulfate, d'ion de sulfate sur 2. Dans ce cas, que le nombre de moles, donc le nombre de moles d'aluminium égale à 2 fois le nombre de moles de Al2, donc Al2SO4. Et le nombre de moles de SE4 de moins le nombre de moles yani, égale c'est 3 fois le nombre de moles de Al2SO4 yani, et l'aluminium donc sulfate d'aluminium. Mes chers élèves, ici pour trouver la concentration, c'est quoi la concentration d'aluminium? Donc, je veux la concentration d'Al3+. C'est quoi? C'est le nombre d'Al3+ sur le volume. Le volume de la solution. Donc, j'ai trouvé ici le nombre de moles d'aluminium. Le nombre de moles qui est égal à quoi? Égal à 2 fois le nombre de moles d'aluminium SO4 sur le volume. On a trouvé ça. Ça, c'est la concentration. C'est la concentration. La concentration, on a trouvé la concentration, c'est 0,20. Donc, ça égale à 2 fois C, qui est égal à 2. Donc, 2 fois 0,20 mol par litre. Donc c'est 0,40 mol litre moins. Voilà. Donc, et la concentration de sulfate donc égale à 3 fois le nombre de moles de Al2SO4 3
sur V, qui est égal à 3C. Donc c'est 3 fois la concentration molaire de solité. De l'aluminium de sulfate. Donc la concentration, on a déjà parlé, donc c'est 0,20. Donc c'est 3 fois 0,20 qui est égal à 0,60. Voilà. Donc la concentration effective de sulfate, c'est 0,60, bien sûr, mol par litre. Donc je répète ici. Donc le nombre, regardez d'après l'équation, que le nombre de mol d'aluminium est le double que le nombre de mol de sulfate d'aluminium. Aussi, le nombre de mol de sulfate est 3 fois le nombre de mol d'aluminium de sulfate. Ok, donc c'est 3 fois. Donc dans ce cas, on a trouvé que la concentration du sulfate est 3 fois la concentration de solité. Donc on passe à la quatrième exercice, à la quatrième question. La solité est-il électriquement neutre? Donc le lidet, on a la concentration d'aluminium 3 égale à combien? On a trouvé c'est 0,4. Bien sûr, mol par litre. Et la concentration de SO4 de moins égale à 0,60 mol par litre. Donc, mes chers élèves, on a combien? Donc, la charge. Donc, on a 2. Si on multiplie ici par 2, regardez ici. Donc, la concentration. Donc, la dernière question, vérifie que la solution est électriquement neutre. Donc, le leader, je n'ai qu'un niveau. Donc, j'ai la concentration d'aluminium égale à 0,4 mol par litre. Et la concentration effective d'ion sulfate est 0,60 mol par litre. Donc, j'ai ici le solide. Donc, ici, donc je prends ce 3. Je multiplie par la concentration d'aluminium. Donc, il y a. Donc, c'est 3 fois la concentration d'aluminium. 3 égale, c'est 3 fois 0,4 qui égale à 1,2 mol par litre. Regarde. Et je multiplie par ce 2. Je multiplie la concentration du sulfate. Donc, 2 fois sulfate moins égale à, donc c'est 2 fois 0,60 qui égale également 1,20, là 1,2 mol par litre. Regardez, elles ont même concentration si je fais 3 fois la concentration d'aluminium, 3 et 2 fois la sulfate, 2 du sulfate. Donc on dit que la solution est neutre. Donc je peux faire aussi d'autres méthodes. Donc je multiplie ici 3. Donc ici c'est 2 fois 3 plus le nombre de charges. Donc on a c'est 3 fois moins 2. Donc, je vais écrire. Donc, ça, c'est égal. Donc, c'est plus 6 plus moins 6 qui est égal à 0. Dans ce cas, leur somme est égale à 0. Donc, on dit que la solution est neutre aussi. Donc, on met ici les concentrations effectives. Donc, c'est 3 fois Al3 plus. Égale à 2 fois la concentration effective du sulfate qui est égale à 1,2. Donc ça,
ça nous dit que la solution est neutre. Donc, mes chers élèves, donc cette vidéo tient à sa fin. Je veux remercier pour votre attention. Et à bientôt, Inch'Allah. Donc, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues et vos proches.